Bonjour, bon live et bonne rediffusion à vous. L'image est disparue, ça commence bien. Elle est revenue. Mon tuto tout à l'heure, ok. Bon alors. J'avais des trucs à faire encore. Hein. Ça, on avait fini de toute façon. Je vais passer au spec pour mon habituelle infusion en préparation du concert, lorsque j'ai surpris un homme qui posait des questions sur vous. Il avait coincé Ned Tromtron devant la porte d'entrée et lui demandait comment devenir membre. Ned m'a dit qu'il s'agissait de Christopher George, un journaliste de la Gazette. George voulait vous poser des questions au sujet des personnes disparues aperçues pour la dernière fois à proximité des spectres. Connaissez Tom Rand, c'est un imbécile et il sait presque rien. Je pense pas, donc pas que ce journaliste ait appris quoi que ce soit de compromettant. Mais je ne peux pas le laisser fouiner partout. Et du coup, j'ai débloqué un truc que j'avais pas. Impossible de trouver de personnes qui aient de qualité. Des bouchées de poisson. Je me dis parfois que je pourrais faire le travail moi-même. Bon,
suis épuisé avec tous ces gars-là les uns à la suite des autres. Je ne supporte même pas de les entendre parler. Cette classe populaire est vraiment au-dessus de tout. Je te sens, je ne parle même pas de ce que j'ai à dire. Faites que je gagne. Tu lui as dit que c'était pas le bon type d'huile. Mais personne m'écoute jamais. La prochaine fois, je dirai rien du tout. Bref. Il était une fois un homme de la ville qui avait la plus petite des anguilles. Il tirait dessus. La journée sur. Oh, ça fait du bien. Je sais pas ce que j'ai mangé pour mériter ça. Je dois aller me prendre un verre au pub. Ça me fera du bien. Une journée complète de travail. Laissez-moi rire. Comment il peut savoir ce que c'est, une journée de travail? Encore un affiche chelou. J'ai dû la faire. Concernant Jacobi et la mort de Cienfuegos après notre petite discussion. On aurait dû lui couper quelques doigts. Pas possible d'écrire avec des moignons. La prochaine fois. Si notre ami le journaliste ne se calme pas, tu pourras te défouler un peu. On va aller voir le journaliste. Hein. Les aveuglés ont voulu me persuader d'arrêter mon enquête sur Cienfuegos. J'ai dû déranger leur projet. Quelle enquête ? Une série de meurtres horribles. Les victimes ont toutes été vidées de leur sang alors qu'elles étaient encore vivantes. Je sais qu'Ivan Jacobi est impliqué, mais j'ai besoin de preuves. J'offre une récompense à quiconque pourra m'en apporter. Voilà votre preuve. Vous aviez raison. C'était Jacobi. Il a des passions bizarres. Je le savais. Quel monstre. Ivan Jacobi, mon ami, c'est la fin. La combinaison est 4-2-2. Servez-vous. Quête de Dieu. Ok. Ces bottes sont pas ma pointure. Il me faut une nouvelle paire. Pourquoi est-ce qu'elle veut cet appartement? Il est rempli de poussière en permanence. Ah bah j'ai pas mis le bon chiffre.
de l'effet des ventes sur la masteresse Carnacan et des positions économiques en résultant. L'huile de baleine, l'énergie sous forme liquide, nul n'aurait pu prévoir que ces bêtes et l'huile récoltée avec leur chair renfermeraient une puissance suffisante pour permettre aux îles de traverser ces années tumultueuses. Ces ressources semblaient illimitées au départ. Mais la lumière commence déjà à décliner. Nos pêcheurs disent que les nobles bêtes se font de plus en plus rares. Cette perte ne sera pas ressentie partout de la même manière, cher philosophe naturel. Karnaca bénéficie d'une caractéristique unique, la crevasse dont le pic de Shindari, à travers laquelle des vents sont canalisés et amplifiés. Quand l'huile de baleine viendra à manquer et que sa valeur ne justifiera plus le coût de la chasse au dernier Léviathan, Karnaca se retrouvera en position de supériorité parmi les îles. T'as quelque chose d'autre à me dire ? Merci. Cet échantillon est la preuve dont j'ai besoin pour relier Jacobi au meurtre. Pour une fois, j'aimerais que ce soit elle qui puisse sa tournée. Une seule fois, ce serait vraiment trop demandé. Karnaca Gazette, les toutes dernières nouvelles des îles. Il me semble qu'on l'a déjà lu celui-là. Je vous laisse le regarder si vous voulez mettre pause. Oui, j'ai déjà lu. J'en suis sûre, l'une d'entre nous, du vieux cercle, contrôlera bientôt ces bouffons, tôt ou tard. Du coup... Cette donc on est là-bas. Convient bien au sortilège. Mais elle devrait aussi s'en servir pour rincer sa bouche torturière. Coucou Akira. Comment vas-tu? On vit une période bizarre. Faut toujours rester sur ses gardes. Je lui ai dit je ne sais combien de fois que c'est pas à moi d'inspecter le broyeur. Des fois je crois qu'elle fait explication. Karnaca Gazette. T'as fait essayer de pas me casser la gueule. On va attendre que l'autre y passe, hein. Qu'est-ce que t'as fait encore? Pour être aussi HS. J'aurais dû écouter ma mère et devenir coiffeur. Thank you.
quelque chose. Je me suis pas planté de bouton. Fou fou fou. Allez, va faire dodo. Elle est fermée celle-là. Hein. Et comment ça se fait qu'elle te réveille en pleine nuit comme ça ta fille des cauchemars? Du coup, ça sert à... Je sais où vous vivez. Je sais comment vous venez ici. Et je pense que votre petit chat d'amour, l'adorable Agatha, aurait fière allure si je la disséquais. Très utile, les entrailles de chat. Si vous ne voulez pas savoir pourquoi, vous avez intérêt à me ramener le reste demain. Dernier avertissement. Ah. Et si nous emmenions nos invités à la cueillette aux champignons, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Je fasse quoi d'elle? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'en fais? Toc toc. Zut. Et comment on fait pour la réveiller maintenant? J'ai fait des bêtises.
Ça y réveille pas. Merde, elle est morte. Oh. Oups. Perte de toutou. Pas de soucis, Akira. Je crois que j'ai fait une bêtise. Attends. On va voir si je peux tricher. On se moque pas, monsieur Akira. On se moque pas. Non mais... Bon, elle est pas morte, mais faudra qu'elle se réveille. Bon, je l'ai jeté dans les autres, ils vont la réveiller. Martha, veux-tu m'épouser? Douze semaines j'ai navigué, chassant des monstres marins, scrutant l'horizon lointain. Martha, veux-tu m'épouser? Douze semaines j'ai navigué. Elle va pas se réveiller? Nous avons tant perdu. Delila, son cercle. Taranaka Gazette, les toutes dernières nouvelles des îles. Ça va? Vous avez trouvé quelque chose? Oh! C'était pas une bonne idée de ça. Quoi? Cassez la gueule. Ups, il va me casser la gueule. On va voir qui est le plus malin. Prends ça. Pitéral, et pitéral. Où est-ce que vous vous cachez, espèce de lâche? Vous n'avez aucune chance, de toute façon. Ça sert à rien. La prochaine fois.
Il y a bien un truc à faire. Tu fais juste un petit recoin pour faire un recoin, toi ? Bon, je vois rien. Encore vous ? Arrêtez de vous planquer. Sale cafard. Quoi ? Allez, j'ai pas toute la journée. Allez, ne soyez pas timide. Oh ! Là-bas ! Là-bas, bien fait. Dans les escaliers ! Je vais remplir. Ah ! Non ! Content de vous. Vous vous attendez. Moi aussi, je t'attendais. Bon. Oui, mais du coup... Mais l'autre, elle se réveille pas, là. Quelle idée de l'avoir tapé. Ouais, écoute, on va. Est-ce que si je te fous dans l'eau, tu te réveilles? Mais quelle idiote! T'es qui, toi? Votre heure a sonné. Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais vous montrer comment vous allez payer pour sa mort. Arrêtez de m'attaquer. Va falloir vous calmer. Non, je vais être obligé de vous tuer tous.
Mais pourquoi vous m'attaquez? Qu'est-ce qui se passe? Inutile de courir. Revenez ici, mauvais choix. Elle est blessée. Achevez-la. Supplie-moi. Supplie-moi toi-même. Niveau inconnu. Mais où va le monde? Tout ça pour ça. Pas étonnant que j'ai du mal à dormir la nuit. Devrions-nous nommer votre... C'est clair, tout ça pour ça. Et si nous emmenions nos invités à la cueillette au champ? C'est une idée épouvantable. C'est tout à fait ce qu'il... Par principe, je ne parle jamais aux inconnus. Attends, t'es banquier, là? Tu parles jamais aux inconnus. Je vais organiser une nouvelle sortie au théâtre. Après la dernière fois? C'est une excellente idée. Bon, je crois que c'est foutu. Ça vous amuse de braquer votre arme sur les gens? Je veux pas braquer encore. Pourquoi tu veux pas? Pas trop sûr que j'avais que j'étais prévu qu'on aille par là. Hein. Enfin, ils ont prévu qu'il y avait des gens stupides qui auraient essayé quand même. Non. Parce que si vous avez besoin de quelque chose, je ne suis sans doute pas la bonne personne. Bon.
Tarnaka Gazette, les toutes dernières nouvelles des îles. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon. Tarnaka Gazette, les toutes dernières nouvelles des îles. En même temps, j'ai un peu fait le bazar, il y a presque tout le monde qui est mort. Il me faut suer sans rien. Même pour tout l'or du monde, ce travail n'en vaudrait pas la peine. Je lui ai dit que c'était pas le bon type d'huile, mais personne m'écoute jamais. La prochaine fois, je dirai rien du tout. Plus longue avec mes pieds. Je devrais pouvoir me plaindre à quelqu'un. Pardon. Alors, ça. Il y a des trucs à ramasser là-haut. Gazette, les toutes dernières nouvelles des îles. Oui, il est courant d'air. Hop, j'ai loupé la marche. Ravi de vous revoir. Au moins, c'est un bon quartier ici. Puis un jour, je... Inutile de vous l'emballer, j'imagine. C'est quoi ça? Et puis là-dedans, les prix sont à la hauteur des objets exceptionnels proposés.
Ma vieille boutique de cigares et son odeur de tabac me manquent. J'ai tout vendu à cause des contrebandiers. La concurrence était trop rude. C'est tout, on a dépensé plein de sous. C'est bon. N'hésitez pas à revenir très bientôt. Mais du coup, je sais toujours pas le code là. Bon, et si on arrêtait un peu ce bazar et qu'on allait à la suite? Hein? Ce serait pas mal, hein? C'est tout, et vous dites rien. Hop. On n'a pas tout trouvé du coup, je suppose, parce que il manque 3 et 5 charmes d'os et un tableau. Moi je m'en doutais. Les missions, on a complètement mardé. Bon, tant pis, on a un peu tout raté. Le couteau à deux lames se trouve dans la banque de Dolores Michaels. Vous avez à préparer le coup après les d'après les informations que vous avez obtenues sur le système de sécurité. Rendez-vous au quartier supérieur de Sierra, pénétrez dans la banque. Et des obusies de couteau. Il y a une éternité, j'ai senti le pouvoir du grand vide à travers Daude. Ceux qui l'entouraient pouvaient faire des choses impossibles. Se déplacer de toit en toit, en un clin d'œil. Tomber sur nos ennemis et leur trancher la gorge comme des ombres. J'ai fait saigner Dunwall pour tout ce qu'elle m'avait fait, à moi et à mes proches. Et là, l'Outsider m'a rendu ses pouvoirs, sans raison. C'est agréable. On a tué tant de riches qui voulaient tous nous terroriser. On rendait justice. L'Outsider est-il coupable de nos actes? La corruption vient-elle du grand vide? Ou de nos propres cœurs? Des sorcières et charlatans portant des colliers de dents. Des villes plongeant dans le chaos. Désormais, les aveuglés répandent de la magie noire, tandis que leurs chefs dissimulent de dangereux secrets.
Ils ont une relique ayant transformé un enfant en dieu, il y a des siècles. Un couteau qui pourrait être le seul moyen de détruire ce dieu. L'outsider sait que je compte le voler. Sait-il autre chose ? Tu m'as donné ça pour qu'il me porte chance, ma chère Deirdre. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. On va voler cette banque. Là, on va préparer un casse. Alors... Ouais, tu sais pas jouer. Hein. Alors, comme je m'y attendais, elle a fait du bon travail, mais il lui reste quelques doutes. Ce que je lui ai demandé, on ferait pâlir plus d'un. Je ne lui en veux pas. Je mourrai avant d'avoir tué l'outsider. Il le sait, elle aussi. La peur, la culpabilité lui se lisent sur son visage. Et son œil, si perçant, je ne sais pas ce qu'elle ferait, devrait affronter dans le grand vide. Mais elle est prête. Tu arrives pas à lire correctement. Que fera l'outsider face à la mort? Cherchera-t-il à fuir comme tous ceux que j'ai tués ou acceptera-t-il comme moi? Je ne connais pas ses pensées, c'est à Billy qu'il parle maintenant, plus à moi. Je me demande parfois si je ne lui ai pas imposé ma rancœur, mais je sais qu'elle a ses raisons de faire tout ça. Elle ne serait pas là autrement. Je sais que tu lis ce journal, Billy. Il n'y a rien que je puisse te cacher. Tu sais que je n'ai jamais été sentimentale. Je n'ai jamais pu. Mais tu n'as jamais abandonné ton âme. C'est encore une raison pour laquelle tu es meilleur que ce que je n'ai jamais été. Il y a certaines choses qu'il est impossible de dire tout haut. C'est pourquoi je t'écris ceci. Quoi que tu fasses, je suis fière de toi. Ne m'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ça, on l'a déjà lu. Il me semble. C'est l'heure. Bientôt. Comment vais-je réussir à entrer? Tu es doué pour découvrir les secrets. Les aveuglés connaissent un moyen. Quand tu auras le couteau, le découvrir sera la prochaine étape. À quoi ça ressemble, le grand vide? Un appel à l'aide qui reste sans réponse. La banque appartient à Dora Sprinkles, la directrice. J'ai étudié les lieux et parlé à certaines personnes. Et malgré des échecs précédents, il y a quelques possibilités. Ils en avaient après l'argent, pas nous. Comment penses-tu pénétrer à l'intérieur? Il y a trois possibilités. Le toit, les poubelles et les égouts. Elles sont toutes viables. Une fois à l'intérieur, je trouve le coffre. Le couteau doit être dedans.
La sécurité sera élevée. Tu as appris quelque chose ? Pas vraiment. Des gardes, des soldats mécaniques et beaucoup de portes ouvrables à distance uniquement. Sans parler du coffre lui-même. Il y a une arrivée d'air sur le toit menant au système de ventilation. Si tu trouves assez de laudanum, la sécurité de la banque sera dans les vapes avant même que tu n'entres. Il y a une pharmacie dans le quartier. Mais elle a été saisie par la banque. Je verrai bien. Je sais que tu es pleine de ressources. Ces clés trouvées sur les chefs des aveuglés te mèneront au couteau. Il te faudra également le passe-partout de la directrice. Fais ce que tu veux d'elle. Je suis prête. Bien. Je... Veux-tu que je reste ? Non. Tu ne peux rien faire pour moi. Récupère le couteau. Tue l'outsider. Tu dois mettre un terme à tout ça. Oui, Dodd. Je te le promets. Tu as vu plus de choses que quiconque. Ce qu'on a fait avant, les sorcières qui ont essayé d'usurper le trône, les aveuglés qui m'ont gardé dans cette cage. Moi, je suis allé dans le grand vide, Billy. Toute cette amertume, cette haine, cette peur. Et l'outsider qui choisit les porteurs de sa magie noire. Personne ne devrait subir ce genre de choses. Tu crois vraiment qu'il est responsable de tout ça ? De nos actes ? L'outsider m'a donné sa marque, en sachant ce que je ferais d'un tel pouvoir. Pendant des années, j'ai saboté Dunwall de l'intérieur. Le monde n'a pas besoin d'autres hommes comme moi. Bon. Vas-y, t'as fini de parler ? Bon, on va faire la petite pause. Merci de nous avoir regardé YouTube. On a un peu saccagé le chapitre d'avant. On va essayer de faire mieux pour les prochains. Faire attention, lire un peu plus l'émission. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.